Le 12 juin 2015, on est en présence de monsieur Bergeron. Bergeron, ton prénom? Jérémy. Jérémy Bergeron. OK. Alors, Jérémy, explique-moi ça, ton projet. Ben, mon projet, c'est une batterie électrique. Où c'est que quand nous prenons le fil de 5 volts par la plaque de Arduino qui fournit de l'énergie de l'ordinateur, on entoure le fil de QI, ben, pas d'éteint, on peut dire ça comme ça. Puis, ben, on l'enroule autour de notre poignet, c'est des volts, c'est pas mortel. Ça passe d'un côté puis de l'autre autour de notre corps. Puis ben, quand on touche la plaque de l'autre côté, ben, ça fait marcher les analogues. Puis ben, si j'embarque sur mon programme, ça pourrait faire jouer de la musique comme une batterie. Quand tu touches, ben, ça peut okay. faire Peux-tu nous le faire marcher? Oui, je vais vous montrer ça. Enregistrer, bureau. Je l'ai appelé Evo Drums Sound parce qu'au début j'avais l'autre projet en tant que comme série. Du coup, ben, j'ai changé ça pour. Mais j'ai changé de programme, j'ai utilisé Scratch pour Arduino. C'est un programme différent de. Ah ouais, c'est fait sur Scratch, c'est ça, j'ai regardé l'interface Scratch pour Arduino, ok, oui, je sais jouer. Puis ben, regardez quand on touche, je sais pas s'il y a du son, non, il n'y a pas de son, ça commencerait mieux s'il y avait du son. Moi, je suis une pas des écouteurs, par exemple. J'ai pas mon speaker. Bon, ben, ça commence bien. Quelle de son? Il n'y a pas de son dans les ordinateurs? Non, seulement de la bullshit. Ah, montre-les, peut-être qu'il y a du son. Et non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son. Ouais, je ne sais pas de trouver des caisses de son ou des écouteurs pas loin. Il y a ça ici et j'en ai au bar. Ouais, ouais, bah, ouvre ça. Ouais, ça marche ouvre. Pas. Branche-les, peut-être ça va y aider. OK, bon, c'est beau. Ça, faut que tu rentres ça dans l'ordinateur. Il doit une prise en avant. Il y a juste ça. Ah, il y a ça. Ouais, ça branche en avant. Les écouteurs. C'est beau. Ah, ok. C'est pas là. Ok, c'est ça. Oh là, ça marche. Oui, vas-y. Fait que quand on fait jouer le son, ben, ça fait. Toutes les sons sont différents. Tu peux mettre des vrais sons de batterie ou des sons électriques, des sons d'aliens, des sons de pets, si tu veux. Si tu peux niaiser avec ça, tu sais. Il suffit juste de toucher un peu. Pendant la construction de mon projet, j'ai eu certains problèmes, genre les ondes magnétiques qui entraînaient dans les analogues, ben, qui allaient sur les canettes, qui faisaient jouer mon son tout seul. Donc j'ai dû placer des résistances sur les touches. Okay. Des résistances assez puissantes pour que lorsque j'y touche, ça ne tombe pas par-dessus de sang. Okay, okay. Puis que dès que j'y touche, ben, c'est parfait, ça fait jouer son. Au début, sans les résistances qui sont ici. Oui, c'est vrai. Ben, les sons atteignaient 1023, le maximum, donc il fallait bien que j'ai le baisse, puis sinon il joue au max. Je vais vous mettre un maximum de la valeur attribuée, parce que c'est ça qui a marché. Quand pressé, ça fait répéter indéfiniment, donc si tu gardes, ben, ça va pas jouer le son tout le temps. Okay, okay. Ben, quand même, voilà, je suis en plus. Puis quand moi je pose dessus, ah, moi je joue, non, ça joue pas. Bon. Ça joue pas. Ça joue pas, ok, c'est bon. Ça, c'était juste des rats, ça. Ça dit qu'il y a encore des bugs. Fait que c'est bon, tu peux avoir du fun avec ça. Je comptais l'améliorer pendant mes vacances. Qu'est-ce que tu fais pour l'améliorer? Je vais changer les plaques les canettes de PC parce que au début c'est censé, vu que le projet de RFRC était le recyclage, je me suis dit bon, ça va pas m'embarquer dans le recyclage. J'ai utilisé des pièces recyclées pour fabriquer des pièces, des canettes déjà vues, des rouleaux de carton. Ça marche super bien. Des anciens fils. Ça, ben, c'est ça. Si tu peux changer ton son, si c'est le digital, c'est, ben, ça, c'est pour la lumière. C'est pas vraiment utile dans mon programme. On s'entend. C'est cette lumière-là, la Dell. Ça va faire mieux. Je peux l'enlever si je veux. À quoi que ça, la Dell ici? À allumer ici. Actuellement, la lumière ici allume. Mais je pense qu'elle a manqué de batterie ou qu'elle a explosé. Okay. Mais c'est pas vraiment l'utilité. Ça veut juste dire que quand je touche, ben, je suis sûr que ça l'a touché. Okay. Ça allume. Mais là, elle n'allume pas parce que je l'ai pas mal. Félicitations. Merci.